Philippe Démarque, bonjour, dégustateur, un parmi les 640 et quelques autres. Ce matin, au 6e concours international de Lyon, que dégustez-vous ? Des côtes de Blaye, rouges. Alors, quel est votre premier sentiment ? Écoutez, c'est une appellation que je connaissais peu et qui est intéressante. Et donc on a une grande diversité de produits et c'est ça qui est intéressant aussi de voir, de pouvoir apprécier les différences, de pouvoir apprécier la richesse qui nous est proposée. Pour le moment, on n'a rien trouvé malheureusement d'exceptionnel. On est juste au début de la dégustation. Vous êtes... C'est la moitié, oui. Bien entendu. Vous êtes un habitué des concours de vin, je vous ai déjà vu plusieurs fois, Philippe Démarre. J'aime bien, je suis un simple amateur. Hein. Et voilà, j'apprécie. C'est une façon avec les autres jurys de partager une passion peut-être. Passion, ça veut dire quoi? Que vous tutoyez la vigne de plus près? On va pas dire ça comme ça. J'apprécie les dégustations, j'apprécie les vins, la variété, l'immensité du panel qui nous est proposé. Et voilà, c'est toujours impressionnant de voir la subtilité déclinée dans toute cette diversité. Ouais. Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, peut-être parfois en devenir, on ne sait pas. Vous pensez qu'un tel concours peut ajouter à cette notion œnologico-gastronomique lyonnaise ? C'est une belle image. C'est une belle image et qui est absolument cohérente avec l'image de Lyon actuellement et de ce que souhaitent faire les acteurs de Lyon, les acteurs de la gastronomie. Et plus même. Philippe, merci.